Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la plateforme sur l'épisode de Star Wars V4 Please the Giraffe. Donc chers amis, nous sommes sur une planète de type aride, la numéro 3, il n'y en a qu'une seule. Donc toujours dans le même système, on s'y déplace, on descend, hop. Oui, on descend ici, voilà. Il y a un petit peu de monde sur le serveur, on va essayer de se faire discret. Chut. Oh bah d'accord, alors ça c'est pas commun. Ok, pourquoi pas. Bah écoutez, vu que c'est pas commun, on peut s'en accommoder. On va juste mettre un petit fond, j'ai oublié, oui effectivement. Ok. Voilà. Parfait. Là, je pense qu'on repérera la zone assez rapidement. Bon. Eh ben, écoutez, on va fouiller tout ça. Hop. Bon, là, il y a un Apex, on va le laisser vivant, le pauvre garçon. Oh, c'est sympa, ça aussi. Donc là, il faut grimper. Hop, encore. Et donc, c'est très, très, très vivant. Hop. Donc là, il y a un coffre. J'avais pas vu qu'il y avait une porte, par contre. Oh, Terminite. Bon. Alors, je vais vous la montrer rapidement, quand même. En gros, quand vous frappez, il y a un insecte qui en sort. Cet insecte finit par exploser. Et par lâcher des choses. Et si vous le faites au cac, forcément, il y présentera des caractéristiques de dégâts supérieurs. Hop. Et B. C'est vraiment sympa comme endroit. Hein. Rien du tout. Alors, crac. Aïe. Hop. Turn Fritz. Hop. Des vautours. Des vautours. Bah, il se retrouve coincé dans la maison, celui-là. Alors, ok, pourquoi pas. On va les laisser en vie, hein. Ils vivent paisiblement. Un coffre. Bon, rien de bien intéressant. Hop. Vous me direz, les monstres aussi, techniquement, ils vivent paisiblement. Hein, mais rien dans cette bâtisse. Par contre, elles sont vraiment géniales, ces bâtisses. Hein. Ça change vraiment de toutes les autres, au final. Ok. Fait penser un petit peu aux cabanes que pourrait avoir par exemple Peter Pan ou un truc comme ça dans les arbres, vous voyez. Ça donne des idées. Oh. Salut les gens. Bonjour, j'aurais besoin d'un marchand. Au passage, je regarde ce que tu as dans tes coffres. Hop, bonjour. Que tu as à vendre? Que du caca. Ok. Je crois que pour au niveau du Knight, il me manque juste le comment ça s'appelle, le casque. Hop. Voilà, bonjour. Knight, ouais, il a que le breastplate. La porte est en haut, c'est vrai, faut que j'y pense. Là, y a rien. Rien non plus. Voilà, tout pété, il y a ça. Oula, j'ai pas pris ce que je voulais prendre, mais c'est pas grave. Hop.
Va-t-il se lever? Où est-il? Non, tu n'es pas le marchand. Es-tu le marchand? Non. Je crois que le marchand, il a forcément une capuche en fait. Hop. Ce serait lui? Non plus. Est-ce que le marchand pourrait venir, s'il vous plaît? Bon, apparemment non. Ah, il est en dessous, non? C'est pas lui qui dort là? Si, c'est lui. Please, follow me to my store. Please, follow me to my store. Ok, maintenant j'ai plus qu'à le trouver. Voilà. Night's Grieve. Ah, y a pas non plus, hein. Et on aurait fait le tour. Non, pas encore. On est très loin pour autant. Tiens, il vend des choses, lui. Please, follow me to my store. Okay. Ah, bah il le vend, lui. Bon, il est pas épique, 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 mais... Épique, épique, épique et collégramme. Voilà. Je la referai plus jamais. Je suis désolé, chers amis. C'est venu tout seul. C'était pas top. Je reconnais. Please, follow me to my store. Un autre fermier. Allez, tu peux le faire. Hop. Rien de bien intéressant non plus. Ils vendaient du lait. C'est toi qui est... Ok. On a fait le tour. Ok. C'est de s'en sortir quand même un petit peu. Voilà. Oh, bonjour. Désolé. Hop. Je crois que j'étais en admin mode pendant un instant, mais non. Mais non, voyons. Pourquoi tu le serais? Oh oh! Hop! Raté! Hop! Hop! Pardon, monsieur le toit, oui, bien sûr. Pardon, monsieur, pour votre toit. Hunter Struthers. Voilà. Voilà des objets qu'on cherche. Ça aurait été cool d'en trouver plus d'un. Mais bon, ça se trouve, on en a trouvé plus d'un. Hein. On va quand même regarder vite fait, mais... Non, je crois pas. Ah, on a quand même trouvé une lampe rouge. Est-ce qu'elle éclaire toujours rouge? Oui, elle éclaire toujours rouge. Génial. Et on a fait le tour. Bon, on va descendre un petit peu, mais je pense pas qu'il y ait grand chose à trouver. Hein. Hop. On va tomber sur beaucoup de sable au final et on aura beaucoup de mal à remonter. Hop. S'il me bute, je laisse me buter. Voilà. C'est dit. Hop, on descend. On reste dans la ligne parce que sinon comme ça, on aura moins de problèmes à remonter sinon. Enfin si on continue comme ça. Hop, bon par contre là on va avoir des problèmes. Quoi qu'il arrive on va en avoir. Par contre je vois qu'on a tombé des choses, je les avais même pas vues. Hop. Intéressant. De toute façon, c'est mort maintenant pour la ligne droite, alors bon. Allez! C'est pour ça que je teste les planètes des types arides. Ah! On se calme.
Hop. Hop, prévenir que guérir. Hop, oula. Là, il y a de quoi avoir bobo. Hop. Alors, pour... Hop. C'est très 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 chaud à réussir à le faire ce truc là. Message. Ah, je peux même pas passer dessous, d'accord. Ah, ok. Oh putain. Ah putain. Voilà, je vais y arriver. Hop. Wouhou. Ok, on a réussi. Rien de bien énorme. Hop. On récupère le bout de viande qu'on avait laissé, bizarre. Ah bah non, c'est pas qu'on avait laissé, c'est qu'on pouvait pas le prendre. les cordes, on peut les virer, j'ai des grappins. Enfin, j'ai un grappin. Hop. Ah, ils me saoulent ces putains de monstres. Aïe, ah non, même pas, je pensais que j'allais avoir mal. Aïe, là par contre j'ai eu mal. Oh là. Un nid à Floran. Ouh là là. Ah non, il n'y en a pas. Cool. Hop, je récupère le coffre. Et on descend. Je doute qu'on remontera, chers amis. Je pense que ce sera un suicide dans la lave. Tant pis. Je sais bien que j'arriverai pas à avoir des pixels comme ça, mais bon. On verra bien. Oh, un coffre. Une épée qui m'a l'air toute sympathique. Raté. 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 Là, ça a failli. Waouh! Il m'a suivi le sac. Ah, je peux pas récupérer. Alors, si je peux pas récupérer le diamant, ça va pas le faire. Voilà. On y est presque. Allez, hop. Voilà. Aïe. Il y a du bois là. Alors, tant qu'on tombe. Sur ça. Ok. On descend. Hop, ah bah comme ça. On n'aura pas atteint le fond. De toute façon, il n'y avait pas grand chose d'intéressant dans les profondeurs, chers amis. Eh bien écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. Comme vous avez pu le voir, les terrarides, c'est pas trop trop mal. On a la tenue de Hunter, si je me trompe pas, à trouver en entier. Il me semble qu'on l'a pas encore en entier. Hunter, 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 Hunter. Hop, Hunter. Je sais qu'elle est quelque part. Cowboy. Bandit. Je sais que j'en ai des bouts quelque part. Lagoon. Hunters. Voilà, j'ai déjà le pantalon en fait. Donc voilà ce qu'il faudrait qu'on trouve, c'est le reste. Donc voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures dans Starbound. Salut les gens. Et hop.